bienvenue sur CFTV Fishing. Aujourd'hui, on va parler amorce. Je vais te donner ma recette d'amorce pour pêcher les brèmes et les plaquettes. Donc, une amorce que tu pourras utiliser aussi bien pour la canne au cou que pour pêcher à l'anglaise ou au feeder. Alors, on va commencer tout de suite par la base de l'amorce. Donc, comme toutes les amorces, chapelure, PV1, biscuit, coco belge. Par contre, ce qui va changer un peu sur cette recette d'amorce, c'est qu'on va utiliser comme base d'amorce de la chapelure blanche pour pouvoir avoir au final une amorce quand même assez claire. Alors, je vais commencer tout de suite par 3 volumes de chapelure blanche. Alors, si vous n'avez pas de chapelure blanche, vous pouvez faire ce mélange avec de la chapelure rousse ou même de la chapelure blonde. Simplement, à la fin, on aura un mélange qui sera un peu plus foncé que moi, ce que je veux pour pêcher les brèmes et les plaquettes. Mais ça fonctionne aussi. Alors ensuite, on va mettre un volume de coco belge. Donc la base de l'amorce, hein, ça va ressembler un peu à une amorce à gardon. Un volume de PV1. Ensuite, on va ajouter une farine de biscuit. Alors pour le biscuit, ben moi j'aime bien utiliser le biscuit galette. Je trouve qu'il est très fin, il sent super bon. Voilà, donc un volume. Voilà, donc pour l'instant, on est sur une base d'amorce assez neutre, mis à part le fait qu'il y ait de la chapelure blanche. Mais on est sur 3 volumes de chapelure, un PV1, un coco belge et un biscuit. Voilà, pratiquement cette amorce, elle pourrait suffire à elle toute seule pour pêcher les poissons blancs. Alors ensuite, on va ajouter les dérivés du maïs, puisque ce sont des farines qui sont très appréciées par les brèmes et les plaquettes. Donc on va commencer par un volume de baby corn. Donc du baby corn moulu, bien sûr. Si vous n'avez pas de baby corn en farine, vous passez des bouchons au thermomix. Ça sera encore meilleur. Alors après, on va ajouter la farine de popcorn. Alors ça, c'est vraiment bien parce que ça va faire travailler l'amorce. C'est indispensable. Le gluten de maïs, donc ça tout le monde le sait, hein. La farine très appréciée des brèmes et des plaquettes, donc là par contre ça sera 2 volumes. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la description où tu pourras retrouver tous les produits. Alors le gluten, c'est 2 volumes. Voilà, ensuite on va ajouter un volume de brasem. Donc le brasem, c'est normalement un additif. Moi je l'utilise plutôt comme un biscuit dans cette recette d'amorce. Et là, c'est un volume aussi. La dernière farine, celle qui va permettre
de bien faire travailler le mélange, c'est la farine de lin moulu. Donc si le lin tu l'as uniquement en graines, c'est pas grave, c'est même très bien. Tu passes au thermomix et tu mets directement dans ton amorce. Donc là c'est pareil, ça sera un volume. Alors cette recette d'amorce maison pour les brèmes et les plaquettes, tu peux l'utiliser toute l'année. Simplement, si tu veux pêcher avec l'hiver, je te conseille de la passer en noir. Donc soit avec du noir de vigne, soit avec du noir à béton. Et puis, lorsque les eaux sont froides, c'est bien de mettre 50% de farine et 50% de terre. Donc de la terre de somme ou de la terre de rivière, mais il faut vraiment appauvrir le mélange au maximum. Alors un truc qui est vraiment bien dans ce type d'amorce, c'est de rajouter de la chapelure jaune fluo. Alors la chapelure jaune, en fait, on mouille l'amorce et on la rajoute au dernier moment, par exemple juste avant de lancer les cages, on met la chapelure jaune dans son bac d'amorce et les particules de chapelure jaune vont remonter à la surface. Donc ça va permettre de faire travailler l'amorce beaucoup plus vite, et ça je le fais vraiment très souvent. C'est vraiment un truc qui est très très bien. Alors cette amorce, vous pouvez également l'utiliser pour pêcher à l'anglaise, mais il faudra rajouter de la terre, voilà, pour pouvoir l'envoyer à 25, 30, 35 mètres. Sinon, c'est une amorce qui va éclater un peu trop vite à la surface. Il y a quand même des farines dispersantes comme la farine de popcorn et le lin moulu. Donc si vous voulez lancer des boules à la fronde, je pense que le mieux c'est vraiment de mettre de la terre de rivière. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Voilà, ben, c'était donc ma recette d'amorce pour pêcher les brèmes et les plaquettes. Je vous invite à consulter les autres recettes d'amorce maison. Donc tout ça vous retrouverez dans la playlist Amorce Maison. Vous retrouverez une recette d'amorce pour pêcher les gardons, une pour les gros gardons, les gros poissons, les tanches, les ablettes, une amorce explosive et puis tout un tas de tutos pour faire le tourteau de maïs, le couscous diabolique, etc. etc. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous mouillerai l'amorce au bord de l'eau, puisque là, je la garde sèche, je vais l'emmener avec moi, je pars pour 10 jours de pêche, et c'est pour ça que j'avais besoin de faire un peu de stock d'amorce. Pour les produits, bah, comme d'habitude, c'est les produits du magasin Tambour Pêche, avec qui je travaille depuis le début de l'année. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas de chapelure blanche, vous faites cette recette avec de la chapelure rousse. Simplement, l'ensemble sera un peu plus foncé. Mais c'est pas très grave, vous prendrez quand même du poisson, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt, et puis surtout, n'oubliez pas, c'est bien. Voilà, donc on se retrouve au bord de l'eau, je vais vous mouiller l'amorce. Puisqu'aujourd'hui, je viens faire une pêche au feeder, et je vais essayer de faire des brèmes. Donc je vais l'utiliser pur. Mais c'est une amorce que vous pouvez associer à d'autres farines, je pêche souvent avec la Power Crunchy Sweet Corn. Donc c'est une amorce qui est vraiment très très bien pour pêcher au feeder. Elle va se libérer assez vite de la cage. Voilà, quand elle est mouillée, elle reste très claire. Donc ça tire un peu sur le jaune. Très bien pour les brèmes. Alors, vous pouvez la mouiller et puis ensuite la tamiser, hein, pour avoir une amorce vraiment parfaite. Bon, moi je m'embête pas, j'aime bien le batteur, c'est rapide. Pour pêcher au feeder, je vous conseille de pas trop la mouiller, surtout si vous ajoutez des asticots morts ou des terreaux coupés, parce que ça va la surmouiller un peu. Et donc il faut bien prendre en compte ce que vous allez rajouter dedans. Et puis au niveau du dosage, ben, ça c'est un peu propre à chacun, entre l'eau et la farine pour mouiller.
Je pense qu'il faut y aller tout doucement et puis sentir un peu quand l'amorce est prête à pêcher. Et c'est une amorce qui se mouille assez facilement. Thank you.